Les finales académiques de rugby. A l'occasion, nous accueillons Vouloir, Saint-Marc-la-Jaille, Île-d'Elle, Laval, Saint-Nazaire, Fontenay-le-Comte et Saint-Command-Véret. Donc la journée se déroule sur deux terrains différents et quatre matchs sont joués en même temps. Et nous allons découvrir avec vous les différentes équipes. On vient de Laval. Ça commence vers elle. Dans la Sarthe, dans Académie de rugby, championnat régional en UNSS, au sport scolaire. Alors on retrouve ici les meilleures équipes de chaque département en quatre catégories, les benjamins, les benjamines, les minimes garçons, les minimes filles. Je crois que l'essentiel de la journée est ailleurs, c'est-à-dire que tout ce qui se passe aussi autour de la rencontre, vous avez pu voir les jeunes officiels, les élèves qui arbitrent. On a pu apercevoir là, des jeunes sapeurs-pompiers du collège qui participent au dispositif de sécurité. Tout ça, ça me semble extrêmement important, presque plus que ce qui se passe au niveau sportif sur le terrain. C'est très important parce que c'est une reconnaissance due au club et aux sections formatrices, comme les Saint-Côme. Hein, c'est le 8e club Saint-Foy, il faut savoir le dire en ces termes. Et puis, c'est aussi une reconnaissance due à tous les gens des milieux scolaires qui, dans les établissements, travaillent, font des choses. Ça fait longtemps qu'on a fait du travail ensemble, et depuis quelques années, on a réussi à concrétiser ça par des grands rendez-vous comme ça, des plateaux, des petites finales, le printemps du rugby au Mans, avec beaucoup d'établissements. Donc c'est vraiment quelque chose d'important.